Qui ça entrepreneuriat y est? Gen en pile livre qui ben en pile définition de entrepreneuriat, mais en pile fois yo toujours oublié un aspect extrêmement important de l'entrepreneuriat qui c'est état d'esprit. Entrepreneuriat c'est avant tout yon état d'esprit. Parce que gens qui sont capables de remarquer là 80% réussite yon entrepreneur, li dépend de état d'esprit, de mindset li. Donc en pile moun pense que entrepreneuriat beaucoup plus technique que mindset. Pendant ce temps, entrepreneuriat li beaucoup plus yon état d'esprit. Parce que ou qu'on a regardé deux ou bien trois catégories moun qui gen profil extrêmement différent, gen deux là-dedans qui beaucoup plus technique et gen un troisième qui gen une mentalité de beaucoup plus ouvert. Bon, mais c'est vous une question pour ka essayer comprendre ça que me vle fò là. Est-ce qu'on pense li possible pour yon moun jounen jodi a multimillionnaire sans que li pa ni konn li ni konn écrit? Pas oublier bon avis dans commentaire en bas vidéo. Entrepreneuriat c'est une mentalité, c'est un état d'esprit que lié. Donc dépendamment de dans qui sens, dans qui gens ou construit état d'esprit, eh bien réussite entreprise ou en lui-même avec échec li a sorti de là. Parce que émotion yo compte en pile, parce que il y a en pile monde qui dit comme ça que yo même yo beaucoup plus rationnel que irrationnel. Pendant ce temps, scientifiquement, au plus montré que nous, que en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres irrationnels et choix nous en pile fois yo beaucoup plus irrationnel que rationnel. Par exemple, ou qu'on voit un monde entreprendre par le simple fait que li croit, que li a réussi sans que li pa gagne aucune statistique de bon côté. Marché en pas accepter idée là, il pas joindre monde investir dans l'idée là. Pendant ce temps, il lance idée là et puis il réussit malgré il recevoir en pile critique négative, en pile critique qui destructrice. Malgré ça, il était kembé là, il pas jamais lagué et il réussit mettre entreprise là lui-même sous pied. Donc si ou même ou voulez réussir propre entreprise pour là, faut que depuis qu'on est là, on commence à travailler mindset, on commence à travailler état d'esprit. Parce que lorsque on va commencer à arriver dans un moment fatidique, dans un moment pour prendre des décisions, eh bien c'est là où on va voir réellement vrai qui ça qui est en dans mode entrepreneurial. Parce que être entrepreneur, c'est savoir choisir. Même Jean Victor Hugo te dit, vivre c'est choisir. Eh bien entrepreneuriat c'est choisir, c'est prendre des décisions chaque jour. Ou prendre des décisions qui en rapport avec business. Et en pile fois, statistiques yo pas bon côté port, yo pas en faveur, mais ou même auto parce que ou quoi ou gen mentalité ou penser que ou capable réussir, eh bien en pile fois ça qu'on fait la différence. Donc comment se travaille état d'esprit, comment se retravaille état d'esprit, parce que toute réussite ou les mêmes chita sous ça. Deux gros pièges lorsque yo moun li pense entrepreneuriat li beaucoup plus technique que état d'esprit. Deux chances qui s'allient. Premièrement, mouna li pense que li capable apprendre tout bagay. Ça veut dire que pour le maîtriser tout bagay, maîtriser aspect juridique, aspect financier, marketing, vente, prospection, etc. Et deuxième gros erreur, mouna li tombe dans le piège outils. Chercher meilleurs outils pour être à ce que lui-même lui fait monde connaît business lien. Donc dommage, on va pas toujours maîtriser tous les outils pour faire business ou en lui-même fonctionner. Parce que en pile dans les outils que on pourrait choisir, jodi al paraître et demain si Dieu veut disparaître. Et c'est en pile fois ou même vous t'es perdu en temps, ou t'es perdu en énergie pour que ou même vous t'apprenne maîtriser outils ça. Donc britsoukou outils ça même li pas exister. Donc mais lorsque ou gen état d'esprit mindset ou apprend yon outil qui a permettre à ce que ou même ou atteindre objectif que ou fixé, objectif que ou fixé pour business ou. Entreprendre en Haïti mande non seulement pour gen un bon mindset, mais faut qu'ou sortir du paradigme, faut qu'ou d'accord sortir du lot. Qu'est-ce que ça veut dire? Entreprendre en Haïti parce que premièrement, yo pas préparé pour ça. Ou pas bien famille qui t'est préparé pour ça. Deuxièmement, système éducatif là, li pas préparé pour ça. Yo t'est plus parlé pour salarié, yo t'est préparé pour ça le travail ensemble avec mon monde, mais yo pas préparé pour même pour te travailler avec propre tête pour devenir propre patron très tôt. Yo pas montre qui j'en pour te créer richesse, qu'on y a ou pour aller créer richesse. Qu'on y a ou pour entrer dans un monde qui est totalement inconnu pour vous. Donc, c'est une raison qui peut être à ce que ou même ou devez guider un mindset ou devez sortir du paradigme. Qui ça paradigme? Paradigme, c'est changer d'état d'esprit, sortir du lot.
Donc, ça, ça veut dire, il y a une histoire que vous pouvez vous expliquer le paradis. Il y a un groupe de chercheurs qui prend 5 macaques, vous mettez le comme ça, vous mettez les en dans une cage. Mais, vous mettez en échelle et puis vous coquez en figue. Chaque temps, un macaque a essayé de prendre figue là, il y a tout reste macaque, il y a de l'eau frette qui sortit de tomber, qui mouille tout macaque. Arrivé à un certain temps, macaque commence à comprendre que c'est figue là, qui a essayé de prendre, qui va être à ce que vous recevez douche de l'eau froide là. Chercheurs yo retiré une dans premier macaque qui était là yo, yo mettez un nouveau. Chaque fois nouveau macaque là, li poil essayer prendre figue là, quatre autres macaques yo fait corps sous li yo battre li. Yo prend yo retiré un deuxième macaque qui était dans macaque originel yo, yo mettez un deuxième macaque. Chaque temps nouveau macaque qui vini là, li poil courir prendre figue là, l'autre quatre macaques yo yo battre li. Et yo fait ainsi de suite. Chaque temps, vous mettez un nouveau macaque, quatre anciens macaques qui étaient là, malgré nouveau macaque, vous n'avez pas recevoir une douche de l'eau froide du tout, mais vous battez l'autre. Si vous même vous avez essayé de poser une nouveau macaque une question, eh bien, vous avez dit, depuis l'envenir, c'est comme ça que vous faites, nous ne connaissons pas qui ça fait ça. Donc, c'est même bagaille pour vous-même qui choisit d'entreprendre en Haïti. Donc, vous pouvez obligé de sortir du lot, vous pouvez dire comme ça que, depuis l'aime fait, c'est comme ça bagaille était toujours yé, ou même tout ou doit suivre trace là. Donc si ou même ou pas préparé état d'esprit pour recevoir critique ça, pour recevoir commentaire ça que moun yo même yo a fort pour sortir du lot, pour créer richesse, pour créer business sport, pour mettre propre empire sous pied, eh bien ou déjà chiré. Et dans formation ça, c'est ça nous même Safe Tech nous apprend nous faire.